Voilà, Dommage, en plus, je dommage. suis content parce qu'en fait, ces gens-là, finalement, ils m'ont fait de la pub. Voilà. Parce que ça a totalement l'effet inverse aujourd'hui, hein, les trucs des trolls. Hein. Il a dit, il a parlé de toi, le Ah, mais gars? bien sûr, il y a trois vidéos qui circulent sur l'association. Ah oui. C'est des mecs. Qui... Ah, Ah oui, c'est le même genre de personnes qu'Olivier Joseph et compagnie. C'est le même type de gars, hein, de toute façon. Tu retrouves à chaque fois ce même clan-là de trollos, hein, les trolly trolls, moi je les appelle, tu vois, qui sont voilà, qui sont en bande organisée pour massacrer tous ceux qui essayent de chercher la vérité et qui gagnent pas une thune là-dessus, hein. D'ailleurs, ça c'est à préciser, tu vois. Donc il faut qu'ils arrêtent ces gens-là, il faut que voilà, soit qu'ils arrêtent ou soit continuer, mais fait continuer, mais de toute façon ils peuvent continuer parce que plus ils continuent en fait. Plus ça crédibilise notre cause, tu vois. Donc c'est Après, là qu'il y a un problème. franchement, tu vois, par rapport au contraire, il est ridicule. Après, qu'il se dise globuliste, mais on s'en fout, il a le droit, mais on s'en fout. Pourquoi il est venu intervenir en disant la Terre n'est pas plate, moi je suis globuliste? On s'en fout de sa position, et dégage. Mais après, quand il a commencé à parler des contraires, à dire des conneries, c'est dommage, ça aurait été bien que tu le casses Mais en. il était même, mais parce qu'ils sont même pas en débat. En fait, ils sont en mode destruction. Ils sont Oui. même pas en mode débat. Ils sont. Si tu as un débat cohérent encore, à la limite, je veux bien. Si tu me poses des questions sur les chemtrails, et moi je trouve que c'est, tu vois, est-ce que ce serait pas ça ou est-ce que ce serait pas ça? On peut débattre. On peut débattre. Mais avec des gens comme ça, tu débats de rien en fait, puisqu'ils pensent avoir la science infuse, ces gens-là. Déjà d'une, le mec, il prétend qu'il connaît, mais qui il est? Il connaît son Qui cul. il est lui? Et encore. Oui, certainement. Mais non, non, mais ce que je veux dire, Saber, c'est que voilà, aujourd'hui, ces gens-là, au lieu de faire fuir les gens, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. On sent qu'ils sont payés par l'État. Ils sont tellement cons et benêts, voilà. Grave. Ils ont tellement rien dans la tronche. Et enfin, Tu sais qui sont y a ces rien gens? qui peut ressortir de ce. Ça, c'est ce Comment? mec qui est monté tout à l'heure là, le Quentin, enfin c'est un pseudo j'imagine, qui est monté. Et ce mec-là, je suis sûr, c'est le mec qui se mangeait des baffes dans la cour de récréation. Il était exclu de tout le monde, de tous les groupes. Il n'avait pas d'amis. Et là, il se venge en fait. C'est ce genre de mec qui tourne sur les gens sur Internet. C'est possible, c'est Raclure, okay. Oui, je vois bien, tu sais, à la récré, genre, c'est la pause, il va acheter son petit Twix, et puis quelqu'un lui prend, mais il c'est tire. des mecs qui ont tellement des mecs qui ont tellement raté leur vie Ouais. qui passent leur temps sur Facebook et qui sont peut-être payés un minimum par l'État, tu vois, pour faire se foutre ce bordel-là. Et c'est vrai, puisque tu le vois, hein, ils sont en bande organisée, hein, ils se côtoient tous les uns les autres, là, et ce sont toujours les mêmes qui ressortent. Donc, ben voilà, tu sens bien qu'il y a une intention derrière, d'État de nuire, hein, à tous ceux qui essayent de chercher la vérité, du moins qui la cherchent déjà, hein, déjà ceux qui la cherchent, hein, la vérité. Hein, Tu sais, voilà. Grégory, par rapport à ce aux raclures là qui font des vidéos et tout ça, le fait d'en avoir parlé, tu sais, sur Facebook et tout ça, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, ça a fait du clic sur leurs vidéos, mais pour la bonne cause, parce que beaucoup ont été dénoncés leur attitude médiocre, pitoyable, mais tu devrais l'attaquer en justice. Hein. Tu devrais vraiment l'attaquer en justice, hein, parce que l'association existe bel et bien. Tu as la vidéo. Mais bien sûr. Il y a la Ah non, vidéo. non, non, mais bien sûr. Ça s'appelle de la diffamation en public. Ça, tu devrais. Moi, si j'étais toi, je ne le lâcherais pas. Moi, je ne le lâcherais pas, je te jure. Ah, mais j'ai déjà pris les devants, Saber. Je J'ai te signale, j'ai déjà pris ouais, ouais, le. ouais. J'ai pris le devant. Je ne dis pas ce que j'ai fait. Très bien. Mais j'ai pris les devants. Par contre, toutes leurs vidéos, tout ce qu'ils ont mis sur moi, mon nom qui apparaît comme ça, dont ils se servent des vidéos, hein, parce que YouTube a répondu que si tu veux, c'était pas de la diffamation parce que il y avait que le prénom qui ressortait. Non, 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 mon nom est au moins dans cette vidéo signalé 3 fois. Ah Voilà. oui. Mais Donc ça montre bien la preuve que YouTube, Youjtantube tu et Social Provider travaillent es. bien ensemble avec ces gens-là. Voilà. Et quand ils vont se faire attaquer de tous les côtés, bah, ils vont comprendre. Ils vont Ouais. comprendre. Si, je veux dire, pour eux, ils se croient dans une zone de non-droit. Tu Exactement. vois? Mais dis-moi, Voilà. Grégory, Ils se... tu as fermé la Oui. vidéo? Tu as la vidéo?
Ah, je l'ai, j'ai tout téléchargé. Très bien, très très bien. C'est le principal. Tout est téléchargé, tout est pris en capture d'écran. Les commentaires aussi, hein, disant que je suis recherché par l'État. voilà, ou surveillé. C'est Olivier Joseph, ça. Hein. Olivier Joseph, je suis surveillé par l'État. Je suis surveillé de près par l'État. Bon, ok. Comment il a l'information, ce mec? Je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs incitations. Hein, incitation à aller porter plainte contre moi. Hein. Mais bon, tu vois, j'habite toujours au même endroit et j'ai toujours pas de flic à la maison. Hein. Bizarrement. Hein. Donc, tu vois. Non, mais ils sont complètement nuls. Ils sont nuls au point que rien ne se passe et rien ne se fera avec ce genre de type. De toute façon, moi, je suis. Je suis pas là pour arnaquer les gens. Je suis voilà. D'ailleurs, c'est diffamatoire aussi, hein, parce que bon, je sais pas si tu as vu le titre de la vidéo, hein, évidence arnaque ou pas. Et puis en dessous, il marque évidence, une arnaque évidente. Alors c'est super. Non, ça c'est pas de la diffamation. Le mec, il ne sait rien. D'ailleurs, on l'a entendu. Et le mec, il ne sait rien. Il n'a rien vu, la vidéo. L'association est toute jeune. Elle vient d'être créée. Le mec, il est déjà en train de... Donc, on sent bien que c'est là pour détruire. Après, tu as des crétins qui vont le croire parce que ce sont des crétins. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais les gens qui sont intelligents, bon, ben voilà, quoi. Ils ne font pas attention à ça. Moi, je te dis, voilà. Oui, mais ce qui les énerve, là, c'est que, bah, en fait, bah, c'est parce que ça les énerve. Leur truc a complètement l'effet inverse. Si tu veux, la cagnotte pour le dépôt de plainte, elle marche très bien. Voilà. Oui, ça les fait rager. Ah oui, bien sûr. Parce qu'ils savent qu'on va arriver à la somme voulue et que cette plainte, elle aura lieu. Voilà. Moi, je veux dire, j'ai mon nom de famille. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Tout le monde a vu mon visage. Voilà, j'ai rien à cacher. Hein. Je vois pas ce que j'ai à cacher. Eux sont cachés, par contre. Oui, eux sont cachés. Il y en a qu'un qui se cache pas. C'est Olivier Joseph. Mais bon, c'est lui aussi qui va avoir des gros soucis, quoi. Je vois pas qui c'est Olivier Joseph. Mais... Olivier Joseph, c'est quelqu'un qui nous emmerde depuis. Bah, ça, c'est un troll, hein, aussi. Hein. C'est un gros troll. Un troll. Lui, il va avoir des problèmes avec la justice. J'ai déjà déposé une main courante contre lui. Ouais. Et maintenant, ça va être un dépôt de plainte. Après, bon, voilà, les gens, ils pensent comme ils veulent. Pourquoi ils font chier les autres? Pourquoi ils les font chier? Pourquoi ils emmerdent? Parce qu'ils sont payés, Saber. Si toi, il y a quelque chose qui t'intéresse pas, tu dégages. Exactement. Moi, je sais pas, moi, s'il y a quelque chose qui m'intéresse pas, s'il y a un sujet qui m'intéresse pas ou que je trouve faux ou quoi, je quitte, quoi, tu vois. Ouais. Je vais pas rester sur quelque chose qui ne me plaît pas ou ne m'intéresse pas. Je m'en vais. Et là, tu vois bien l'insistance avec laquelle c'est, Et en mettant nous dénigre, nous insulte, voilà, il y a une puissance qui est pas légitime. Tu vois, elle est pas légitime. Si ce serait légitime, si quelqu'un t'a fait du mal, je veux bien comprendre que tu puisses t'insurger contre ça, avoir une rancune quelque part, mais non, là c'est tout à fait on voit, tu vois, manifestement que ça plaît pas du tout dans les hauts rangs et dans les hautes sphères. Donc, ils envoient le fils à papa qui travaille en politique, celui qui est historien, deux photographes ratés, etc. Voilà. Parce que, Fred Avès, photographe, l'autre, il est aussi photographe, comment il s'appelle, Olivier Joseph. En fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont dératé, quoi. Tu vois? Voilà, dératé. Je vois bien le style, celui qui a investi dans un appareil photo à 500 euros, qui n'a rien réussi à faire. Donc, il essaie de se convertir sur Internet en trollant. Ouais, je vois. Après, tu vois, Olivier Joseph est fort dans son boulot. J'ai vu un petit peu ses photos. Je ne dénigre pas son travail. Son travail, très bien. Mais reste dans la photo, mec. Reste dans la photo, reste à ta place, reste dans la photo, reste dans ton histoire là, d'historien. Et encore, je sais même pas si c'est un vrai historien, mais voilà. Mais reste à ta place, reste à ta place.
Voilà. J'aurais kiffé qu'on l'accueille, franchement, quand on a fait un live. Il serait venu, j'aurais bien aimé qu'on discute avec lui en direct. Hein. Mais par contre, s'il insulte, c'est clair, hein, le descendre. Hein. Non, non, c'est vrai que ça ne se fait pas. T'insultes pas. T'insultes pas les gens. T'insultes Mais pas. ces gens-là n'ont que ça. Ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus que ça. L'injure, il a commencé par insulter. Bon, j'ai pas très bien entendu ce qu'il a dit, mais il a insulté. Marie a très bien entendu, apparemment. Le mec, il insulte. Commence pas par insulter. Tu veux discuter, discute, mais n'insulte pas. Espèce de rat. Voilà, c'est Oui, tout. oui, oui. Je Oui, comprends mais parce qu'ils sont comme ça, ça fait partie de leur, ça leur fait éducation. partie de. Ben, on leur a donné cette, si tu veux, cette possibilité-là de, comme ils sont ratés, eh ben, il faut qu'ils aillent gratter chez les autres, voir ce qu'ils peuvent faire, tu vois, pour emmerder les gens, parce que comme ils sont, quand t'as raté ta vie, t'es aigri, tu vois. Ah, merde, c'est pas Mais bon, hein. je suis d'accord avec Dean Kidor. Il n'y a que moi qui ai le droit d'insulter. Évidemment, c'est logique. Il n'y a que moi, bah oui. Non, mais attention, moi, quand j'insulte en général, c'est que je me défends. Voilà, les gens pensent que je me défends, c'est tout. Il n'y a pas. Le mec Oui, insulte, je l'insulte, hein. Excuse-moi. Hein. Il est mais venu, tu as bien raison. il a insulté Marie, il a insulté Grégory, ben je l'insulte. Espèce de rat. Mais ce n'est pas une insulte, espèce de rat. Un rat, c'est plutôt. Voilà, c'est furtif. Enfin, ça mange des. Ça merde dans les boules, t'as vu? C'est pas une insulte non plus. Le mec, il s'est faufilé, il est monté sur le live comme un rat, il monte les égouts dans les toilettes. C'est tout. Non, mais le pire, c'est qu'ils prennent une identité qui n'est pas la leur. Tu vois, je veux dire, bon, on a le droit de pas donner son identité. Je peux comprendre que les gens ne donnent pas leur identité, etc. Que certains ne veulent pas se montrer, voilà. Excuse-moi. Mais Amel sur le tu. Calme-toi, d'accord? On a compris, tu as marqué 15 fois le même message. On a compris, Amel. Ok, merci, c'est bon. On sait très bien que la vidéo, c'est une escroquerie. Le mec, c'est une ordure qui descend, qui veut descendre Grégory. Oui, d'accord. Donc, c'est bon. Là, tu es en train de pas répéter le message 1000 fois de suite. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement. Je te demande d'arrêter. Voilà. C'est la dernière fois. Première et dernière fois. Excuse-moi, Grégory. Oui, non, c'est pas grave. Non, mais enfin voilà, enfin voilà, c'est aberrant. Ces mecs-là, là, le mec, il s'est fait passer pour un constructeur de laser. Ouais, vous avez gobé tout ce que je viens de dire. Ben, oui, on va pas te. Moi, si tu viens de me dire que tu es constructeur de laser, je vais pas te dire non, t'es pas constructeur de laser. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont tellement nuls qu'il leur faut un prétexte et un mensonge déjà pour rentrer sur un hang, déjà. Je te dis franchement, j'étais tellement bloqué sur mon histoire de micro-ondes et glaçons que j'ai pas entendu de quoi il parlait en fait. Il a dit quoi? Il parlait de laser. Oui, lui, il était constructeur de laser et il disait que les lasers sont pas droits parce que justement, les miroirs, machin, et que ça courbe toujours un peu, machin, si. Mais bon. Moi, je suis pas là-dedans, c'est pas mon métier, c'est pas notre métier, tu vois. Donc, on peut croire, tu vois, on peut croire. Ouais, écoute. Mec. Non mais rien que là, c'était insoupçonnable. Oui, non, mais c'est tellement. C'est tellement bas, si tu veux, comme esprit. Voilà. À la limite, le mec, il vient, il te dit, je suis globiste, je pense ça, je pense ça, je voudrais un peu débattre avec vous. Bon, ok, tu Mais vois. voilà, exactement. Je comprends pas pourquoi ils insultent en montant. Personne Mais ne parce les qu'en insulte, ils fait, viennent. ben, ils sont là qu'on reste dans le faux paradigme de la science, dans le mensonge, hein, ben, je dis toujours, le mensonge, ce mensonge-là, il tient bien parce qu'il tient sur une base de vérité, tu vois. Et c'est tellement, tu sais, les maîtres de l'illusion, ils te donnent toujours une base de vérité, tu vois. Un illusionniste, par exemple, il te fait la même chose, quoi. Ce que tu vois devant toi est réel, et au bout d'un moment, ça l'est plus, tu vois. Voilà, c'était dans l'illusion. T'as été pris pour un con, quelque part, tu vois.